Je pense pas qu'on va faire la comparaison, j'espère faire du Nicolas Fauvergue et pas faire du Cédric Fauré. Je respecte beaucoup Cédric, avec qui je m'entends très bien d'ailleurs, et ce qu'il a fait pour le Stade de Reims a été énorme encore cette année. Je pense que si le club est en Ligue 1, c'est aussi en partie grâce à lui. Le défi qui m'était proposé m'intéressait, et je ne me suis pas forcément focalisé sur le départ ou non de Cédric, pardon. Ça a été un choix douloureux sur le plan affectif. Quand l'histoire doit s'arrêter, c'est jamais quelque chose de très simple. Nicolas, qui a aujourd'hui l'âge qu'avait Cédric quand il est rentré chez nous il y a 5 ans, voilà, incarne plus l'avenir pour nous. Parce que c'est moi qui menais les négociations avec l'agent de Cédric. C'est que si les choses avaient avancé un peu plus vite, le temps a fait qu'on a appris que Nicolas était éventuellement transférable, et c'est donc un choix que nous avons à faire et que nous avons fait et que nous assumons.